Bien bonjour et bienvenue sur ces petites pastilles vidéo réalisées dans le cadre de l'introduction au système d'information géographique et notamment l'introduction à l'utilisation de QGIS. On va examiner ici la façon dont QGIS gère les systèmes de coordonnées de référence qu'on appelle aussi SCR en raccourci. Alors évidemment, si vous ne savez pas ce qu'est un SCR, je vous conseille vivement de revoir le cours sur cette notion extrêmement importante. Dernière chose, c'est l'objet de cette petite pastille vidéo, bien comprendre la façon dont les systèmes de coordonnées de référence sont gérés par les logiciels de SIG comme QGIS vous permettra de résoudre la quasi-totalité des problèmes d'affichage de couches. Alors allons-y. Voyons d'abord de façon pratique comment QGIS doit procéder. Premièrement, on crée un nouveau projet dans QGIS et on choisit un système de coordonnées de référence adapté à ce qu'on veut faire et on l'affecte au projet. La plupart du temps, en fait, on va choisir un système de coordonnées de référence adapté au fichier de données, vecteur ou raster, que l'on souhaite charger dans le projet. Le projet utilise alors la projection du système de coordonnées choisi. Alors attention, parce que lorsqu'on va ouvrir QGIS, ce dernier va créer automatiquement un projet vierge et lui affecte par défaut un système de coordonnées de référence. Il appartient à ce moment-là à l'utilisateur de vérifier que ce système de coordonnées de référence affecté par défaut est effectivement bien adapté à ce qu'il veut faire. Sinon, il doit le changer. On reparlera de tout ça sur la diapo suivante. Il ne reste plus qu'à charger dans le projet les couches dont le système de coordonnées de référence sera identique à celui du projet. En respectant cette procédure, tout devrait bien se passer. Pourtant, notamment lorsqu'on débute dans l'utilisation des logiciels de SIG, on rencontre très souvent des problèmes d'affichage des couches. En gros, on charge une couche et rien ne se passe, on ne voit pas la couche à l'écran. On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de ces dysfonctionnements et essayer de comprendre ce qui ne va pas. Alors, c'est pas très compliqué, et en fait, ça tient en quelques phrases qu'il suffit de bien comprendre, et en fait, pour bien les comprendre, on va les écrire. Premièrement, chaque couche possède obligatoirement un système de coordonnées de référence qui lui est propre, et ça, c'est défini par le producteur de la donnée, et c'est inscrit quelque part dans le fichier vecteur ou dans le fichier raster. Deuxièmement, ce système de coordonnées de référence défini par le producteur de la donnée doit être reconnu par QGIS pour pouvoir s'insérer correctement dans le projet SIG dont le système de coordonnées de référence, lui, devra être défini par l'utilisateur. En clair, il peut arriver que QGIS n'arrive pas à lire cette information sur le SCR dans les fichiers vecteurs ou raster, soit parce qu'elle n'y figure pas, soit parce qu'elle n'est pas dans un format lisible par QGIS. Dans la pratique, à l'ouverture de QGIS, un nouveau projet vierge est automatiquement créé. Ça, on l'a déjà dit. QGIS va affecter par défaut un système de coordonnées de référence dont l'utilisateur devra prendre connaissance, ça c'est très important, et l'adapter, le cas échéant, à celui des couches qu'il projette de placer dans le projet. Il va y avoir plusieurs cas qui vont pouvoir se présenter. On va essayer de voir les choses un petit peu plus clairement là-dessus. On se rappelle qu'un projet est composé de couches elles-mêmes construites en chargeant des fichiers de données vecteurs ou raster. Et le premier cas est simplissime. On a un projet auquel on va assigner un système de coordonnées de référence qu'on va appeler SCR1 et un fichier de données qui lui possède le même SCR. À ce moment-là, lorsqu'on va charger le fichier dans le projet, le SCR1 est reconnu par QGIS
et donc l'affichage est parfait. Deuxième cas qui va poser problème, lui, on a un projet auquel on assigne toujours un SCR1, mais on n'a pas fait attention et le fichier de données, lui, il possède un SCR différent qu'on va appeler SCR2. On charge le fichier dans le projet, le SCR2 est reconnu par QGIS, mais du coup n'est pas compatible avec le SCR du projet, ce qui va poser évidemment un problème d'affichage. À ce moment-là, la solution, ça va être de changer le SCR du projet en SCR2. Troisième cas, similaire au cas précédent, un projet avec un SCR1 et des fichiers qui, a priori, ne vont pas être compatibles puisqu'ils ont un SCR2. On ne fait pas attention, on charge le fichier de SCR2 dans QGIS, et en fait, là, QGIS ne va pas correctement reconnaître le SCR du fichier et va donc lui affecter par défaut le SCR du projet. Et donc je vais me retrouver avec une couche dont le SCR est 1 et non pas 2. Dans ce cas-là, évidemment, on aura à nouveau un affichage défectueux. Et à ce moment-là, il faudra évidemment reprendre la solution du cas 2, c'est-à-dire changer le SCR du projet, mais également forcer le SCR de la couche dans QGIS, c'est-à-dire que dans QGIS, je vais forcer le SCR de la couche en SCR2. Évidemment, la meilleure façon de s'en sortir, plutôt que de bidouiller, c'est de toujours être dans le cas 1. C'est-à-dire le SCR du projet qui est défini par l'utilisateur est conforme au SCR des fichiers que l'on va charger dans QGIS. Alors, on va voir dans une prochaine pastille, que les logiciels de SIG proposent des solutions pour, je dirais, faciliter un petit peu tout cela. Notamment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire lorsque l'on va avoir plusieurs fichiers de SCR différents.